Bonjour et bienvenue à tous. Les dégâts vont s'arrêter. Babo Laurent est aujourd'hui à GESCO. Babo Laurent est parti à la GESCO. Il est parti à la GESCO. Chers camarades, il est allé s'arrêter sur les gravats, sur les décombres. Et il a parlé avec les gens à GESCO. Chers camarades, je vais vous montrer la vidéo du grand long Babo. Écoutez, suivez avec moi ici, chers camarades d'Afrique. Suivez avec moi ici la vidéo. Ouais, Babo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Voilà. Les gars, ils croisent les bras. Président. Il est en train de parler avec le fondateur de l'école qui a été détruite là. Voilà. Ah, les vieux. Babo, ayoka. Vous voyez pas Babo. C'est Babo qui est là, qui a porté. Ouais Babo. Le voici ici. Il est frère. Il y a le monde. Ah, Babo, c'est un monument. Ah, Babo, c'est un monument. Il y a le monde. Il va revenir. Donc vas-y, ouais babo là. Tu t'as vous voyez non? Ouais babo. C'est le fondateur de l'école là qui est là. Le fondateur de l'école là, le voici. Ouais, Babo, il est en train de parler le fondateur de l'école. Il est en train de prendre les nouvelles fraîches. Le gars n'a qu'à lui dire ce qui se passe. C'est GESCO qui est là. Ouais, le reste de l'école là. Ouais, le reste de l'établissement qui est resté là. Ouais, sa femme derrière. Voilà. Il dit, il va l'appeler après.
comment tu as fait? C'est pas moi, c'est moi. Et puis il le réconforte. Il est très aimé. Oh, il est venu là, c'est un monument. Ah, elle est vieille. Faut pas tomber au pas. Marche doucement, prends ton temps au pas. Oh, eh, viens là, Non. Ouais, les élèves. Ouais, le reste de l'établissement là. Ouais, le reste de l'établissement là. D'abord, c'est un monsieur. C'est un monsieur, cher camarade. Il est parti lui-même sur le terrain. Il a envoyé demander à Picasso. Frère, il a envoyé demander à Picasso avec la délégation, les Michel Gbagbo, les députés, PPAC et tout ça. Ils sont partis sur le terrain. Après ça, là, lui-même, Tidjane Thiam est venu sur le terrain. Demandant à Picasso lui a rendu compte. Tidjane Thiam s'est déplacé pour aller chez Gbagbo. Pour aller lui rendre compte aussi. Mais ils ont parlé d'autres choses. Mais lui a rendu compte de l'état des choses. Frère, je vous dis, population, vous qui n'êtes pas encore déguerpis, vous dont les noms ont été cités, les quartiers ont été cités là, votre déguerpissement là, ça n'aura pas lieu. Grâce à Gbagbo. Je vous dis, s'il plaît à Dieu, votre déguerpissement là, ça n'aura pas lieu encore. Père Gbagbo va se lever. Mais Gbagbo est debout. Gbagbo est debout. Il est debout. Il est venu réconforter les gens. Non. Gbagbo, c'est un monsieur. C'est un Woody. Lui là. Mais Gbagbo pouvait casser Bouriba, non? Il pouvait casser Bouriba, non? Il pouvait casser tout. Et puis, qui pouvait faire quoi? Mais Gbagbo n'a pas voulu casser parce qu'il est humain. Il est humain. Gbagbo, il a un cœur. Gbagbo, là, il a un cœur. Nous, au PPAC, là, nous, au PPAC, on a des cœurs. Nous, on n'est pas des démons. Nous, au PPAC, là, on ne fume pas drogue. On n'est pas comme Draman et ces gars qui vont s'asseoir pour fumer drogue. Quand ils vont dans le conseil des ministres, c'est pas le conseil des ministres qu'ils vont faire en réalité. En réalité, ils vont se mettre dans un ghetto pour fumer drogue. C'est ça qui est la vérité. Et ça, il faut qu'on vous le dise. Vous comprenez ça? Donc, Gbagbo à la GESCO. Mais, attends, chers camarades. Parce que j'entends beaucoup dire, non, GESCO là, les gens étaient informés, les gens étaient dommagés. Non, c'est quartier précaire, on a dit aux gens qu'on va détruire. Mais je vais vous montrer une vidéo ici. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je vais vous montrer une vidéo si vous allez voir. Regardez cette vidéo. De manière sauvage. Voici ici le plan de GESCO. La GESCO, quand on dit que c'est un quartier précaire, ne peut pas avoir un tel plan. Ici, c'est l'autoroute. L'autoroute qui passe. Et c'est cette partie-là qui a été cassée. Donc vous voyez même le numéro de l'eau, c'est toute cette partie-là qui a été cassée. Et ici, on a l'autoroute. Vous voyez, l'autoroute. Et tout ça a été cassé. Donc déjà, vous voyez qu'une partie de la vérité est déjà rétablie. Et voilà. Ici, vous pouvez voir. Cathy GESCO, plan de restructuration.
Je pense qu'il doit avoir même l'arrêté. Vous savez, c'est l'arrêté approuvé par arrêté numéro 37e mois 2002. Voilà, c'est Gbagbo qui a fait. C'est pas un quartier précaire. Voilà. C'est Gbagbo qui a fait le plan de restructuration de GESCO. C'est Gbagbo qui a fait le plan de restructuration de GESCO. De, le plan de relotissement. Le plan de relotissement de GESCO. Là. Les routes, comment les tracer et tout. C'est Gbagbo qui a fait ce décret. Pour GESCO. Vous comprenez? Pour ne pas qu'on casse. Vous comprenez ça? Et 2002, dès qu'il a fini de prendre le décret, où on s'apprête à travailler, Grand Ouattara est venu avec ses bandits là, pour lui faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Pour lui faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc, tout le programme qu'on a mis en place, 90% de ce programme-là a été consacré à la guerre, à la recherche de la paix. Le pays a été amputé de plus de la moitié de son territoire par Draman, le sorcier, le toxico, le drogué, le waworo, le kodjougou, et sa tête André Kalibas. Frère, voilà la réalité. Voilà que la vérité a été établie. Et il y a d'autres choses. Il y a su NCI, mais c'est un show entre eux là-bas. C'est un show entre eux, sur NCI. Ils sont Gbagbo. Mais je vais vous donner le truc ici, les docs ici, chers camarades d'Afrique. Partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo au maximum. Mettez les cœurs. Les jaloux là. Quoi, Gbagbo connaît ses caches. Gbagbo connaît ses caches. Je suis parti à Châtelet, je suis parti partout. Mais je me promène aujourd'hui dans Paris là. Il me dit, j'ai tombé sur un. Écoutez, André Sylvestre Conan sur NCI dévoile si c'est Bakongo. Écoutez ici, c'est que André Sylvestre Conan dit de Bakongo. Écoutez, chers camarades d'Afrique. Je vais vous surprendre. Nous sommes le 8 mars 2019. Le ministre de la Construction, Bruno Kone, annonce le projet aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan. Les quartiers restructurés d'Abidjan, dont GESCO. Écoutez, les populations peuvent aller sur le site du gouvernement. Ce projet existe. Et ce projet concerne 5 sites dans 3 communes. Même à Koumassi, aujourd'hui, il y a 18 sites à déguerpir. Cela veut dire que Bakongo a eu la commune sur 2 ou 3. Donc, quand vous prenez la liste du district aujourd'hui, vous verrez ces quartiers de Koumassi, là alors que depuis 2019, c'était dans le projet pilote. À BOPK 18, Yopougon, GESCO. À BOPK 18, Yopougon, GESCO. Le projet prévoyait pour GESCO 9 km de route. Le projet de restauration, là. 9 km de route. On devrait donner 9 km de route à Yopougon. 9 km de route à GESCO pour mettre goudron dans le quartier. 9 km de goudron qu'on devrait donner à GESCO. La réhabilitation de 18 salles de classe et la construction de 6 classes. Et ce quartier aura 2 terrains de sport, des ouvrages de drainage et un centre de transfert des ordures ménagers. C'est un projet du gouvernement. Ça, c'est le gouvernement lui-même qui avait établi ce projet en 2019. Le gouvernement Draman avait établi ce projet en 2019. Est-ce qu'on peut établir un projet comme ça en 2019? Alors, après, pour venir dire aux gens qu'en 2018, on leur avait dit qu'on allait casser. Est-ce que toi, tu peux faire un projet avec tes locataires pour dire en 2024, non? Tu dis à tes locataires, bon, en 2025, la cour là, la clôture là, on va faire monter ça de 2 mètres. Et puis, la cour, on va mettre dalle. Et puis, le WC là, on va faire ceci, on va faire ça. C'est-à-dire que tu fais un plan. Et ça, tu prévois ça en 2025. Tu as dit ça en 2024. Est-ce que tu peux venir dire à ce même locataire, qu'en 2018, tu lui as dit que tu allais casser la maison?
Soit tu es fou ou drogue là, tu as trop dépassé. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc on continue ici. On continue ici. Le 29 décembre 2021, le 29 décembre 2021, le Premier ministre Patrick Achi a supervisé la signature de la convention pour financer ce projet. Donc, le projet lui-même a été financé. Il a été donc annoncé il y a deux ans plus tard que les 32 milliards destinés au financement de ce projet étaient disponibles. Frère, ce que je suis en train de vous dire, c'est des papos. Hein. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Patrick Achi a signé la convention pour financer le projet de réaménagement de Yopougon-Jesco en 2021 pour faire les routes, 9 km de route bitumée qu'on a donné à Yopougon-Jesco. Les routes ont des salles de classe qu'on a construites pour Yopougon-Jesco. 6 salles de classe, 2 terrains de sport qu'on devait construire pour Yopougon-Jesco. En 2021, 32 milliards ont été décaissés pour ce projet-là. Non seulement ils ont détourné les 32 milliards, mais ils ont vendu Jesco pour prendre cet argent-là encore. Chers camarades, ce qui se passe est grave. Hein? Ce qui se passe là est grave. Ça, c'était sur la chaîne NCI. Que ça a été dit. Entre août 2023 et décembre 2023, date de la nomination du gouverneur Cissé Bakongo, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet destiné à restructurer les quartiers précaires soit totalement ignoré alors que l'argent est déjà disponible? Le gouverneur Bakongo est en train d'accomplir une mission de façon froide et sans état d'âme. Où sont passés les 32 milliards alors qu'il y avait un projet du gouvernement qui devrait être exécuté? Point d'interrogation. Chers camarades, c'est dangereux. Je reprends la partie là. C'est-à-dire qu'il faut que je reprends pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Écoutez ici. Écoutez. Je reprends toute la partie là, écoutez très bien. Aidez, je vais vous surprendre. Nous sommes en 2008, nous sommes le 8 mars 2019. Écrivez le 8 mars 2019. Le ministre de la Construction, Bruno Conné, annonce le projet aménagement des quartiers restructurés d'Abidjan. Les quartiers précaires, aménager les quartiers précaires. D'accord? Les populations peuvent aller sur le site du gouvernement. Ce projet existe. Et ce projet concernait 5 sites dans 3 communes. Même à Kumasi, aujourd'hui, il y a 18 sites à déguerpir. Cela veut dire que Bakongo a eu la commune sur 2 sur 3. Bon, ça c'est un autre débat. Donc, quand vous prenez la liste du district aujourd'hui, vous verrez ces quartiers de Kumasi là. Alors que depuis 2019, c'était dans le projet pilote. Abobo PK 18, Yopougon Jesco. Et ils sont les quartiers à déguerpir. Mais en réalité, ça, on devrait réaménager. Le projet prévoyait pour Jesco 9 km de route. 9 km de route. La réhabilitation de 18 salles de classe et la construction de 6 classes. Et ce quartier aura 2 terrains de sport. Des ouvrages de drainage et un centre de transfert des ordures ménagers. C'est un projet du gouvernement.
Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà. Le 29 décembre 2021, le Premier ministre Patrick Hachi a supervisé la signature de la convention pour financer ce projet. Patrick Hachi a supervisé la signature de la convention pour signer ce projet. C'est que la convention a été signée. Il a été donc annoncé il y a 2 ans plus tard que les 32 milliards destinés au financement de ce projet étaient déjà disponibles. Ce qui veut dire que 32 milliards ont été décaissés pour réaménager Yopougon à Jesco, pour donner 6 salles de classe à Yopougon, pour donner 2 terrains de sport à Yopougon, pour donner 9 km de route à Yopougon, pour donner des voies de drainage d'eau usée, etc. à Yopougon, à Jesco. Les 32 milliards ont été décaissés. On continue. Entre août 2023 et décembre 2023, date de la nomination du gouverneur Tshisekedi Kongo, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce projet destiné à restructurer les quartiers précaires soit totalement ignoré? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le projet là, on a ignoré ça. Le gouverneur Bakongo est en train d'accomplir une mission de façon froide et sans état d'âme. Où sont passés les 32 milliards alors qu'il y avait un projet du gouvernement qui devrait être exécuté? Où sont les 32 milliards des Ivoiriens? Voilà l'homme qui parle. Voilà l'homme qui parle. Il a parlé sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, chaîne du fils de la femme de Dran Ouattara. C'est pas moi qui ai dit. Ah donc, il y avait déjà 32 milliards qui avaient été décaissés pour réaménager Jesco. Ah donc, on devrait arranger les routes de Jesco. Ah donc, on devrait tracer des caniveaux à Jesco. Ah donc, on devrait construire des salles de classe à Jesco. Ah donc, les 32 milliards ont été décaissés pour ce projet. Ah donc, ils ont volé nos 32 milliards. En plus d'avoir volé nos 32 milliards, ils sont allés vendre ce terrain-là pour ensuite prendre cet argent et se partager cet argent-là. Le gouvernement Ouattara est un gouvernement de maudits. Un gouvernement de délinquants. Des anciens coupeurs de route. Des anciens coupeurs de têtes d'enfants. Des anciens délinquants. Des anciens maudits. Des anciens gangsters. Des anciens rebelles. Des anciennes milices, des anciens microbes, ils sont allés les ramasser pour venir les mettre dans une bulle pour gouverner les Ivoiriens. Comment, qu'est-ce qu'un coupé de route peut faire à part voler? Qu'est-ce qu'un délinquant, joueur de Konami, peut faire à part voler? Qu'est-ce qu'un coupeur de tête d'enfant des gens peut faire à part le crime? C'est des maudits, des criminels, des délinquants, des sorciers, des malheureux. Dramane Ouattara est un malheur. Le plus grand malheur qui puisse arriver à l'Afrique tout entière après la colonisation, ça s'appelle Dramane Ouattara. Mais non, mais c'est grave. Babo connaît ce dossier. Puisque c'est lui
qui a fait le plan de le plan de réaménagement de GESCO. C'est lui qui a signé ce décret depuis 2002. Chers camarades, l'heure est grave. Donc, population de GESCO, vous avez entendu la vérité. Il y a 32 milliards du contribuable ivoirien qui a été décaissé pour aller réaménager votre quartier. Ces 32 milliards-là ont été volés. La Cour des comptes a dit ici qu'il y a plusieurs projets qui ont été financés, mais jamais les travaux ont commencé. Chers camarades, je vous jure, donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Maintenant, les RDR disent qu'ils me cherchent à Paris ici. Je me promène à Paris. Moi, je me promène. Ce que je devrais faire sur la voie légale en France ici, j'ai déjà géré ça aujourd'hui. Maintenant, si on se croise maintenant, voilà. C'est la vérité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.